Cinq organisations de Mounzayo, CRNDDH, POHDH, SEC Réflexion, CGLAP, Agnec Baron, qui rencontrent la presse jeudi 11 juillet 2024, là, dans le cadre suivi en correspondance, y ont été adressés dans la date 4 juillet passé à Premier ministre Gary Conille, dont y ont copié à joindre Conseil présidentiel transition pour faire nouvelle autorité au part des cinq points estimés qui est important en pile pour le gouvernement ta travail sur yo dans intention pour rétablir la paix et sécurité avec un ordre démocratique durable. Cinq points ça yo, c'est par exemple pas ta doué gen dialogue avec bandit ni amnistie agent qui fait partie force multinationale soutien à sécurité a pas doué agir en violation droit monde dans pays yan, faut que la paix et sécurité retourne avant organisation élection yo. Enfin, c'est justice et réparation pour victimes insécurité que y a demandé d'après madame Marie-Rosie Auguste du Sénat responsable programme dans RNDDH. Conséquences violence ça c'est des conséquences qui énormes sur victimes non seulement nous comptons victimes justement par milliers et nous comptons tous des proches de victimes qui obligés courir quitter la caillou par des centaines de milliers. Et donc je n'ai dit hein, nous estimer ces organisations ça que gouvernement li supposé pencher sur question ça. En termes de recommandations par rapport à démarche ça yo, madame du Sénat dit pas doué gain dialogue avec bandit ni amnistie pendant le mandat gouvernement prend toutes dispositions nécessaires à travers des 8 juridictions pays. Nous demandons au premier ministre là pour le passer ministre justice li en instruction pour le mandat tout paquet première instance, tribunal première instance dans pays là particulièrement parquet tribunal première instance nan Port-au-Prince, nan Tigouave, nan Croix-des-Bouquets, nan Saint-Marc avec nan Gonaïves, yo mette action publique en mouvement contre bandi armé. Beaucoup de pal, Alermi Pierre Villus pour POHDH qui parlait sous problème corruption, eh bien, yon nan signal clair que autorité yo ta dwe voye bay population pour démontrer tout bon vrai que y a bataille contre fléau ça, yo rele corruption. Eh bien, c'est prendre toute disposition pour faire tout membre gouvernement faire déclaration patrimoniale. Jean, la loi 12 février 2008 là, mandé ça. Donc, c'est un élément fondamental et c'est un signal clair. Il y a voyé qui montrait que vous voulez rompre, divorcer à pratique corruption. Pendant que directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, souhaitait agent mission multinationale. Soutien à sécurité qui déjà souterrain commence à frapper pied à terre dans le cadre du GIFO pour accompagner PNH rétablir l'ordre et la paix en Haïti. Ou en tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince.